petit tuto pour Custo Déco avec la Cinch de nouveau. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser. C'est simple, c'est rapide, quand on se trompe pas. Mais à force, je m'y fais parce que là, j'ai réussi mes pas. Je me suis avancée parce qu'il y en a un bon paquet. J'ai choisi les reliures 2,5 cm. Je vais utiliser la noire normalement. La collection que j'ai utilisée, c'est mon essentiel. Elle est déjà réglée, je ne vais pas y retoucher. J'ai dépiaussé un carnet que j'avais. Et du coup, il y a la dose en page. Donc voilà pourquoi je me suis avancée, j'ai déjà fait mes trous. Et c'est super bien centré. Cette fois-ci, normalement, il n'y a pas d'erreur. Je n'ai pas changé le réglage, tout simplement parce que ma cartonnette, en fait, fait exactement la même longueur. Donc comme ça, moi, je suis tranquille. Je ne l'ai pas encore perforée parce que je vais la décorer. Il faut que je crée des intercalaires. Je vais utiliser cette petite tape punch. Et je vais faire tout simplement un livre de recettes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ma sœur, elle trouve plein de petites recettes sympas à faire assez diète. Et du coup, bah, pourquoi pas m'en faire un après. Mais celui-ci, c'est pour elle. Donc, on verra si ça lui plaît. Si ça lui plaît pas, je lui piquerai. Et c'est pas grave. Ça m'évitera d'en refaire un deuxième. Donc, du coup, là, je vais utiliser les papiers. J'ai absolument rien sorti. J'ai juste préparé la bête. Et ça va être très simple hein, comme tuto, clairement. De toute façon, avec la Cinch, généralement, c'est simple. Du coup, je prépare mes papiers. Alors, pour faire mes intercalaires, je vais utiliser donc ces papiers. Donc, c'est le Bling Date, rendez-vous manqué. Et celui-là, ah, j'ai plus qu'une feuille. Alors, je vais le prendre. Ah, bah non, parce que ça va se voir de l'autre côté. Bah, bah, comme ça, sois pas bête. Donc là, je peux en faire deux. Donc, entrée, apéro. Non, apéro, apéro, entrée. Plat, dessert, 4 et peut-être un petit plus pour faire les trucs petit-déj. Ouais, elle fait ses petits-déj elle-même. Donc, il m'en faudrait 5. Donc, si j'en fais 2 là-dedans et 3 dans le bleu. Bleu, beige, bleu, beige, bleu. Ouais, je vais faire 3 bleus, 2 beige. Parce que j'en ai plus qu'une seule. Donc, ce sont des papiers brillants. Si vous les recherchez. Ah, attendez. Je suis en train de me... Ah, en dessous, c'est pas le même papier. C'est quoi l'autre? Ah, c'est le Sea Water. Ouais, mais non, je veux pas utiliser de Sea Water. Bon, j'ai pas intérêt de me tromper parce que là, je peux faire pile poil mes 5 intercalaires. Pour la dimension des intercalaires, je vais prendre exactement donc, la même dimension que mes feuilles. Normalement, c'est pile. Enfin, je crois que c'est, je suis à 14. Ouais. Par contre, en longueur, bon, 14 par 22. Donc normalement ce serait bon. Il faut que là, je suis en rupture de feuille. Je vais pousser ça. Donc du coup, 14 par 22, il ne faut pas que je me trompe. Parce que là, on est d'accord, je peux en faire qu'une seule. Bon, bah souhaitez-moi bonne chance parce que généralement, je me loupe quelque part. Donc 14 par 22. Voilà. En fait, c'est pas la coupe que j'ai peur de me tromper, ça va être plus au niveau quand je vais mettre l'onglet. C'est autre chose. Hop. 22. Ah non, mais je peux en faire 2 dans le beige. Oui, bah oui, c'est ça. Je suis bête. 14. Par 22. Normalement, on est bon. Je vais prendre un petit peu de feuille pour checker. On est bon. Alors, je vais venir arrondir les angles parce que mon papier, il a des coins donc arrondis. Donc, je prends cette perfo-ci. Hop.
J'ai peut-être rajouté aussi au niveau de la couverture, soit devant, enfin à l'intérieur, hein, mais une petite pochette. Vous savez, si on a des petites recettes comme ça, qu'on arrache des magazines. Je pense que ça peut être sympa. Ah ouais, mais j'ai plus de papier. La loose. Mais... Ah, je suis dégoûtée. Mais c'était pas un projet prévu. J'ai eu cette idée et bah, du coup, j'ai pas prévu le papier pour. Voilà, c'est un petit plus. Bah, du coup, on va faire avec ce qu'on a. Hein. C'est pas grave. Donc, maintenant, il me faut. Donc, ça, je vous ai dit, c'était 14 par 22. Et la couverture, je ne vous ai pas dit, elle fait 15,5. 15,5 par 22. J'ai laissé un petit peu plus pour justement pour l'onglet. Alors en soi, ce qui est facile, c'est l'onglet à faire, il n'est pas compliqué, c'est au niveau du collage. Je ne suis pas encore une pro, donc j'ai dit petit-déj, entrée, plat, dessert, petit plus. Je sais pas s'il y a besoin d'un petit plus. Je sais pas. Alors maintenant la question c'est est-ce que je fais l'onglet comme ça pour que ça ressorte ou est-ce que je reste sur la même couleur? Peut-être sur la même couleur pour que ça fasse une continuité. Parce qu'après sans ça j'ai le papier. Mais ou après, parce qu'en fait, il faut quand même voir où j'ai écrit. Ça pourrait être pas mal. Ça regroupe les couleurs que j'ai utilisées. Allez, c'est parti. Donc, du coup, il m'en faut plein. Donc, on va. Parce qu'il faut du coup que j'en coupe recto verso. Alors ensuite, je vais utiliser cette souris-là parce que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de colle vu qu'après ils vont être plastifiés. Donc comme ça, c'est rapide et ça me permet de le placer au mieux. Hop. Donc du coup j'en ai coupé 10 parce qu'en fait je peux pas faire de case petit plus vu que j'ai plus de papier, j'ai plus assez de papier. Alors du coup, alors je me mets tout au bon endroit pour pas que je me trompe. Donc alors, j'ai relu un petit peu la notice. Poinçonnez l'onglet du papier que vous désirez. Retirez l'autocollant de l'onglet du papier. Alignez l'onglet du papier avec l'autocollant et adhérez. Adhérez sur le bord du papier. Pochette pour photo. Repliez l'autocollant. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Pourtant, je l'ai fait la dernière fois. Enfin, la dernière fois, ça remonte. Quand je les ai testés. Or. Voilà, désolé, il y avait l'église. Quand je les ai testés du premier coup, j'avais réussi. Et là, je vous jure, j'ai un gros doute. Parce que l'onglet, il va ici. Non, il faut que je colle l'onglet en premier. L'onglet, il est plus petit. C'est bizarre. Pourquoi l'onglet, il est plus petit? Attendez. Peut-être moi, ou alors faut pas le mettre tout au beurre. Je vois rien du tout. J'ai des couleurs qui vont pas avec.
Hop, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va coller du coup ici. Voilà. Et après, normalement, il y a juste à plier. Yes! Ben voilà. Donc j'ai mon premier. Ensuite, pour tout ce qui va être donc le deuxième. Alors par contre, il faut que je fasse mes intercalaires. Je vais les placer maintenant dans cet angle-là. Donc pour me replacer mon deuxième intercalaire, je vais m'aider du premier pour que tout soit bien comme il faut. J'enlève le bleu. Et je vais faire ça du coup ainsi de suite. Donc mes onglets sont terminés et j'ai oublié d'écrire dessus. Mais c'est pas grave, je viens de vérifier avec un simple stylo bic, vous pouvez écrire sur le plastique. Donc du coup mes onglets, j'en ai quatre comme ça et j'en ai un en fait qui revient au début après. Donc quand il y aura les feuilles, on va plus le distinguer. Donc là, j'ai juste à venir perforer. Donc j'ai rien besoin de changer étant donné que c'est toujours la même longueur. Normalement, là-dessus, je devrais pas me tromper. Je vais peut-être en mettre plusieurs, non? Non, vous savez quoi, on va le faire. J'ai pas envie de me tromper, j'ai plus de feuilles, donc c'est la dèche. J'allais faire une bêtise, j'allais modifier mon réglage. Donc, maintenant, comment je suis classée? Et 5. Voilà, donc là j'ai mes pages. Hop, et j'ai mes intercalaires de près. Donc je peux déjà séparer du coup en 5. Ça va être grossier, hein, mais à peu près. Hein. Wow! Eh, mais dites-moi, j'ai presque le compas dans l'œil. Franchement, je suis trop contente. Donc, du coup, il m'en faut. Ici. Tac. Voilà. Voilà. J'espère que mes anneaux vont suffire. Pense, hein. Je pense qu'on peut faire des trucs comme ça avec la cinche, avec le plus gros truc. En sachant que j'ai encore ma couverture à mettre. Voyez, ça se voit bien là. Donc, on est comme ça. Côté couverture, donc je vais utiliser du papier parce que niveau toile de reliure, pareil, je suis à sec. J'ai plus de gris et je trouve qu'avec cette collection-là, il y a. Il y a le gris qui va bien donc maintenant il faut que je lui trouve un papier. J'ai des morceaux de papier qui se baladent. Alors les papiers, moi, elle n'aime pas. Donc on va pas mettre de papier. Ça peut être pas mal pour le centre, mais je vais peut-être me galérer à le centrer. Deux petites coccinelles, c'est mignon ça. Alors ça c'est pas mal, mais ouais, je pourrais en avoir au moins deux. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais là j'ai vraiment pas besoin de couper. Sauf si je pars du haut. Non, je peux pas partir du haut parce qu'il me faut ma. En plus, de toute façon, il y avait un papillon. Alors j'ai des petits coquelicots, ça peut être pas mal.
Par contre, j'ai peut-être pas choisi la bonne collection pour ma soeur. Ah, ça c'est pas mal. Ça fait automne un peu et elle aime l'automne. Ah bah. Ah, peut-être celui. Est-ce que je l'ai en deux fois celui-là? Je pense parce que à chaque fois quand je vous fais une création, j'utilise à fond mes chutes. Donc c'est possible. J'aimerais bien une couverture identique. Et ben non, je l'ai pas. J'ai celui-là en double. Putain, il me reste des feuilles. Oui! Oh, c'est la dernière. Bon, là, j'ai pas le droit de me louper sur cette création. Interdiction. Donc, du coup, moi, sur mes cartonnettes, je vais venir mettre du double face et je vais venir coller. Donc, mon double face est posé et comme j'ai quand même pas mal d'éléments séparés, je voudrais quand même au minimum avoir quelque chose ici. Je vais regarder, c'est à 3 cm du bord que je vais venir reporter du coup ici. Voilà. Ensuite, je vais venir découper mon papier en laissant une petite marge. Là, j'avoue, j'ai peut-être mis un peu trop haut. Je suis restée fixée sur cette bande-là, donc. J'ai même pas regardé si ça allait ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Après, je viens découper les angles. Et donc pour ça, je vais venir mettre. Oh, j'espère que j'en aurai assez. Décidément, c'est la dèche partout. Alors, je suis désolée pour le bruit que vous entendez, hein, mais il fait beau. Du coup, j'ai tout ouvert parce que si vous voulez, le soleil, on ne l'a pas vraiment vu cet été. Donc voilà. J'en ai plus. Voilà, donc quand il y en a plus, il y en a encore. Ça, c'est vraiment un produit que j'ai plusieurs fois parce que bah, quand on tombe en rade, on est contente de le retrouver. Et du coup, c'est parti. Maintenant, il y a juste à coller. J'ai toujours pas regardé. On va peut-être regarder avant. Ça m'a l'air pas mal, ça. Donc, on colle toujours les extrémités et ensuite les opposés. Non, je sais plus. Bref, vous faites de chaque côté et ensuite de l'autre côté. Je sais pas si c'est mieux. Extrémité opposée, c'est pareil en fait. On va gagner du temps.
La deuxième, je la ferai toute seule, hein, parce que bah, je vais faire exactement pareil. Ah, mais après, il va falloir que je trouve un fond. Donc là, j'écrase au niveau des coins pour avoir quelque chose de beau. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai du coup ma couverture. Je fais la même pour l'autre côté et je vous retrouve. Donc mes couvertures sont réalisées. En plus, elles sont... Attendez, non, pas du tout. J'allais dire, elles sont symétriques, mais non. Ah bah non, parce qu'en fait, après, comme j'avais dit, je perdais du papier, je l'ai plus monté. Donc forcément, on a d'ailleurs qui est mieux. Donc ça, ce sera ma couverture. Du coup... J'ai choisi ce papier-là pour mettre à l'intérieur, vu que j'avais hésité entre les deux. Là, on le voit tout feuillu et là, on le voit un petit peu feuillu. Ma colle, là. Du coup, je colle et je vous retrouve. Donc, mes deux cartonnettes sont réalisées. Maintenant, il va falloir que je vienne perforer. Donc, l'erreur que moi, j'avais fait la dernière fois avec mes carnets de notes, c'est qu'en fait, j'avais laissé les deux couvertures dans le même sens. Sauf que, pas du tout, il y en a une qu'il va falloir que je retourne. Donc, ma couverture de derrière, il va falloir que je vienne la perforer dans ce sens-là. Parce qu'elle va se retrouver comme ça. Donc, les trous, automatiquement, dans ce sens. Comme quoi, on apprend de ses erreurs. On fait attention. Donc, la première, donc j'ai bien dit celle-là. Oui. Donc, moi, je veux comme ça. Alors, je check bien que je suis bien au bord de partout. Oh là là. Lucille et les biscottos. Je revérifie. On est bon. Attendez, j'ai un gros bug. Attendez, oh là là, attendez, je me fais des frayeurs ou... Qu'est-ce que ça ? Attendez, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas. Elle n'est pas réglée comme il faut. Ça a bougé ? Non ! Non ! Non ! Ça a dû bouger quand je l'ai... Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais franchement, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Pourquoi mon réglage, il a bougé? Mais, oh mais attendez, je comprends pas parce que ça, c'est bon. Mais non. Ah non, je suis sur la même longueur. Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Bon, du coup, j'ai refait une couverture. Donc, malheureusement, plus avec ce papier. J'ai choisi celui-ci, je voulais vraiment rester dans le thème de l'arbre comme ça. Celui-là, je l'avais encore une deuxième fois. Donc en fait, ce qui s'est passé, parce que mes intercalaires, ils sont nickel. Donc je pense qu'en la reposant, j'ai dû taper dans quelque chose sans m'en rendre compte. Du coup, je vais faire de nouveau le test là-dessus pour être sûre que tout est OK. Normalement, c'est bon. Mais je vous avoue que là, sans ça, bah heureusement que je regarde parce que ça va pas. Attendez, j'ai perforé comme ça ou comme ça? Non, j'ai perforé comme ça. Je me mets le doute, punaise. Bon, c'est bon, on est OK. Donc, comme ça. OK, on est parfait. Ensuite, toi, ma cocotte, tu vas être... Ça.
Ok, on est bon. Je peux ranger ça. Ouh, mon Dieu, ça donne des sueurs, hein. Moi, je vous le dis. Donc, du coup, j'ai ça ici. Et ça en dessous. Alors, les onglets ressortent un chouïa. Moi, perso, ça me gêne pas. De toute façon, c'est pas pour moi. Vous savez, la fille, c'est pas pour moi, je m'en fous. Non, mais enfin, ils sont plastifiés, donc voilà. C'est ça que je veux dire. Pourquoi je vois pas tous mes trous? Je suis censée voir tous mes trous, on est d'accord? Il y a des feuilles qui me font des blagues, là, que je trouve pas ça drôle du tout. C'est pas le moment. Ok, bon, normalement, c'est bon. Par contre, ouais. Ok. Du coup, il me faut donc mes anneaux. Donc j'ai dit, je prends les noirs. Je pourrais utiliser les blancs, mais je me dis noir, ça va bien ressortir, ça peut être sympa. Vous voyez? Du coup, il me faut 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je coupe au milieu d'ici. On est ok. Je reprends la bête. Hop. Donc là, attendez, il faut que je réfléchisse. Ça va, c'est bien ce que je pensais. Donc la couverture du dessous, vous la repassez devant. Vous retournez. Et on met tout dedans. Alors ça, c'est facile hein, à mettre. J'ai eu un bug. Là, d'un coup, j'ai eu un bug. Je pensais que j'allais galérer au départ à remettre tout dans. Si je mets pas dans les bons. Dans les anneaux, et en fait, c'est simple. J'ai des feuilles qui me font des blagues. Là, pourquoi t'es pas aligné avec tout le monde, toi? Je sais pas. Bah, je te dégage. Voilà. Tant pis pour toi. Oh! Ça, c'est la partie la plus simple de la cinche. Mettre dans les anneaux. Hop. Donc, je suis bien. Tac. Je regarde mes intérieurs et je n'ai pas fait de bêtises. Ensuite, du coup. Ouais, du coup, les tours tournées. Donc, il me faut celle-là et mon dos. Comme ça, après, quand je retourne, clac. Ok, je suis sur du 1 inch, donc j'y suis déjà. Bah oui, la dernière fois, j'étais sur du 1 aussi. On emboîte la chose. Vous voyez rien. Bon, après, de toute façon, c'est dans tous les cas, vous verrez. Oh, je suis pas. Et on appuie. Puis encore un chouï. Encore un chouï. Sais pas si comme ça suffit. Je pense qu'il faut que j'appuie encore un chouï quand même. Ah, là on est bien. Là, ça fait gling gling dans le ballon. Il va falloir que je vide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à retourner. Et mon livre de recettes est terminé. Je m'applaudis. Donc voilà,
J'ai mes intercalaires. Vous voyez, du coup, celui tout en haut, en fait, il se voit très bien. Ah, je suis contente. En plus, mes anneaux, là, ils sont plutôt pas... Je dois encore m'entraîner au niveau de la force herculéenne que je mets sur mes anneaux, mais donc voilà. Et je ne vais pas le décorer parce que la couverture, elle est très bien. Et comme c'est pour ma sœur qui est très simple, j'ai pas envie de faire grand-chose. Après, à voir si ça lui dit que je décore les intercalaires. Mais voilà. Bon, bah du coup, la vidéo, elle est terminée. J'espère que ça vous aura donné une petite idée. J'avais envie aussi de faire un répertoire. Mais je sais pas si je vais le faire. Parce que je sais pas. Faut que je réfléchisse. Parce qu'en plus... Si, je pourrais vous le faire. Parce que je mets plusieurs lettres sur le même onglet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P... Ah ouais. Bon, après, ce sera toujours le même principe. Mais bon. Après, voilà, ça peut donner des idées. Donc, je vous fais pas de vidéo de fin. Parce que cette fois-ci, on a été en direct live, entre guillemets. Pas d'avance rapide, rien du tout. Après, ce qui est dommage, c'est que le papier, du coup, il est blanc. Hein, il n'est pas autant chargé que celui-ci. Donc, c'est sûr que pendant la cuisine, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Mon carnet de recettes est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!